Du bleu, du jaune, du rouge ou du blanc, quelle couleur souhaitez-vous appliquer à votre intérieur ou sur vos bâtiments? À Chibat, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Et sur le plateau de cette info, nous recevons les seigneurs du revêtement. Il y a ici Adou Axel, responsable de marché bâtiment industriel de Mia Côte d'Ivoire, qui est avec nous. Bienvenue. Merci, Présentez-nous bonjour. Mia Côte d'Ivoire. Je vais d'abord vous dire bonjour, Oui. bonjour aux téléspectateurs, bonjour à cette info. Je vous dis merci pour la lucarne que vous nous donnez. Oui. Alors, Mia Côte d'Ivoire est une entreprise de fabrication et de vente de peinture. Oui. On ne fait pas que ça, on fait d'autres produits connexes à l'activité de la peinture. Alors, l'entreprise existe depuis les années 70, Oui. anciennement appelée IPL. Qui est passé PPG en 2016 et en mars 2022, nous sommes passés MIA, Côte d'Ivoire Mobilac Industrie Africa, Oui. qui appartient à un groupe océan, qui est un groupe français, qui appartient à une famille originaire de l'île de La Réunion et qui a plusieurs entreprises en France comme à La Réunion. Principalement, ce groupe-là bosse sur la chimie du bâtiment dont nous faisons partie à travers des marques comme ID et Comus en France. Il y a aussi l'activité de la pêche basée au Mozambique, principalement des élevages de crevettes bio. Oui. Il y a aussi la télécommunication. Et pour terminer, on a aussi la partie de la pompe à chaleur en Côte d'Ivoire et des data centers. Ça, ce sont les différentes entités de MIA, mais on a parlé D'Océane. d'OCN. Oui. OCN, c'est important de Oui. préciser. On a parlé de Seigneurie. C'est quoi Seigneurie? C'est une marque Seigneurie, ou c'est l'entreprise? c'est une marque. Oui. MIA, c'est l'entreprise. Et Seigneurie est une marque comme la marque Sigma qui est dédiée à la marine, à l'industrie. La marque Seigneurie est dédiée au bâtiment. Et Oui. comme c'est la marque qui est plus connue, donc du coup, pour pouvoir mieux nous présenter, on dit Seigneurie. Et c'est Mia qui distribue Seigneurie en Côte d'Ivoire. C'est MIA qui fabrique et distribue Et Seigneurie en distribue Côte d'Ivoire. Seigneurie en Côte d'Ivoire. On ne va pas se le cacher, on sait très bien que la peinture a un impact important sur l'environnement et sur la santé. Quelles sont les dispositions que vous prenez pour éviter que la santé de ceux qui travaillent avec vous s'effrite? Voilà, vous posez une très belle question. Il faut dire qu'on vient d'un groupe américain Oui. qui a des standards de fabrication assez élevés. Vous savez, les Américains font très attention à tout ce qu'ils produisent, tout ce qu'ils font dans les entreprises. Et donc, on a hérité de ces standards-là que nous mettons en vigueur ici en Côte d'Ivoire. Oui. Nos matières premières sont des matières premières qui sont étudiées, qui n'ont aucune incidence sur la santé de nos fabricants. Oui. Et bien évidemment aussi de l'artisan qui va poser et par ricochet du client final. Oui. Donc, je vous invite à visiter notre usine où toutes les matières premières sont stockées dans des conditions où, même quand il y a un déversement accidentel, Oui. ces déversements ne puissent pas aller dans les égouts. On a des systèmes de protection qui empêchent un déversement accidentel de s'éparpiller dans les égouts, dans les caniveaux. Et en cela, nos déchets sont contrôlés par un organisme validé par le gouvernement ivoirien. Oui. Et quand ils font les études que le déchet peut être, on va dire, on peut se débarrasser du déchet, ils viennent Oui. pour faire ce travail-là. Vous Donc, êtes installé dans 13 pays du continent, hein, et vous avez cité vos différentes usines. Vous avez 5 usines, c'est bien c'est cela? cela. C'est bien cela. Alors, comment se fait la distribution au niveau des revendeurs? Chez nous, nous sommes structurés, l'activité commerciale est structurée en on va dire trois entités. Oui. L'entité commerciale B2B qui est pilotée par moi, c'est-à-dire les commerciaux itinérants. Il y a l'entité de nos magasins, on a des magasins, et les franchises et les partenaires. Cette activité elle est dirigée aussi par un manager. Si vous voulez ouvrir un magasin, être un revendeur, être un franchisé, alors ce monsieur viendra vous voir. Moi, c'est la question que je voulais poser. Aujourd'hui, j'ai décidé de distribuer des produits de Mia Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, vous nous approchez, vous nous dites ce que vous voulez faire, et Oui. quand on sait ce que vous voulez faire, on va venir visiter on va dire votre local, Oui. on va regarder aussi dans les environs s'il n'y a pas
un concurrent, parce qu'on a des magasins, on a des franchisés un peu partout en ville. On va pas vous mettre dans une zone où vous aurez de la concurrence, parce qu'il faudrait que vous soyez rentable. Oui. Il faut que nous aussi, on fasse du chiffre d'affaires. Donc, du coup, on va étudier. Si la zone n'est pas adéquate, on va vous conseiller une autre zone où nous ne sommes pas. Et on va vous aider à faire le branding, c'est-à-dire peindre tout ce qui est dans le magasin aux couleurs de seigneurie, de telle sorte qu'on rentre dans un magasin de seigneurie, qu'on rentre dans un autre magasin, on n'est pas dépaysé. Et au-delà, après cela, on va former vos équipes, vous accompagner techniquement et commercialement sur le terrain afin que vous puissiez être rentable, comme j'ai dit plus haut. La 9e édition du Salon Archibat fait un clin d'œil à l'architecture durable. À votre niveau, avec quelles innovations pouvez-vous contribuer à l'aboutissement d'un cadre de vie pérenne? Alors, l'innovation qu'on a, c'est qu'on présente cette année, on présente un produit assez innovant, qui est une laque. Vous savez que vous me posez la question de savoir qu'est-ce qu'une laque. On va dire que c'est une peinture qu'on applique sur du bois et sur support métallique. Alors, ce type de peinture-là, les plus vulgarisées sont les peintures à huile. Oui. Là, on présente un produit qui est à l'eau. Il va sans dire qu'il n'aura pas d'odeur et la facilité d'application. On peut appliquer deux couches dans la même journée, alors qu'une peinture à huile, c'est minimum 24 heures entre deux couches. Oui. Et donc là, il y a de la rentabilité pour l'artisan. Et derrière aussi, il y a le confort pour le client final, puisqu'il n'y a pas les odeurs de solvant. Ça, c'est un produit qui est assez innovant. Et tous les produits que nous présentons aujourd'hui, nous partons sur des produits à eau, qui n'ont pas d'odeur, qui n'ont pas d'incidence sur la santé. Et vous êtes à Archibat 2023. Le salon va bientôt fermer ses portes. Qu'avez-vous à dire aux entreprises qui ne sont pas encore venues vers vous? Vers nous? Oui. Je vais dire qui rate l'innovation. Mais il ne faudrait pas qu'ils s'inquiètent. Nous allons aller vers eux parce que nous sommes là pour augmenter notre clientèle. Oui. Mais aussi, on est là aussi pour apporter notre savoir-faire, expliquer aussi ce que nous faisons de mieux aux étudiants, puisqu'on reçoit presque tout le monde ici. Donc, c'est une lucarne pour nous de pouvoir expliquer ce qu'on fait. Mais pour les entreprises qui ne sont pas venues nous voir, on ira les chercher. Tout en participant aussi à l'architecture durable. Et comment on peut retrouver vos stands et même en dehors d'Archibat? Nous sommes dans le rayon aménagé. Au stand 151. Donc, nous serons très heureux de recevoir tous les visiteurs. Il ne reste que demain. On les invite à venir pour pouvoir voir ce que nous savons faire de mieux. Merci, Monsieur Axel Adou, d'être passé sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Bonne suite des programmes. Merci sur cette info.